wesh l'équipe, comment ça gazouille? Eh bien écoutez, moi ça gaz. On se retrouve sur Only Up et le but c'est d'arriver tout en haut, sauf qu'en fait il y a un souci. En fait, le souci, c'est qu'il n'y a pas de point de sauvegarde, donc déjà pour commencer, il y a un gros problème. C'est-à-dire que si on tombe, on doit tout recommencer. Ouais! Génial, hein? Donc voilà déjà l'énorme souci. Et voilà, en fait, c'est le plus gros souci, c'est même pas un énorme, c'est le souci de cette vidéo. Mais vous inquiétez pas, je vais pas du tout rager. Aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai plein d'énergie à dépenser. C'est pour ça que je gueule et que je rigole pour rien, je sais pas ce qui m'arrive. Bref, trop d'adrénaline, je crois, c'est depuis que j'ai bu une Monster. Parce que j'ai bu une Monster et du coup c'est pour ça. Ça m'a rendu fou, je crois. Enfin bon, bref, allons tout en haut sans tomber. Il y a déjà des gens qui commencent à tomber là. Oula, je les plains ces gens-là. Moi je ne veux pas tomber et je ne vais pas tomber. Ok, ouais, bon, ça va, je suis pas vraiment tombé bien bas. Ça va, hein, ouais, oui, ouais. En fait, j'ai pas du tout ragé dans cette vidéo. Vous allez voir et vous allez être vraiment choqués de moi. Monsieur Riri, il peut ne pas rager. Ouais, je sais que c'est difficile à croire, mais ce jeu, c'est un jeu vraiment très chill. C'est un jeu que tu joues, ben je sais pas, quand t'as envie de chiller, tu vois, non? Et bah ben, moi, c'est le cas. Oh non, il est tombé, le pauvre. Non, rip. Oh my god, faites attention. Voilà, c'est bon. Donc c'est bon, là j'ai déjà réussi tout l'immeuble. Bon, j'imagine que ça va être de plus en plus dur. Ah oui, effectivement, je peux tomber entre les trucs. Attends. Oh my god! Oh my god! Ouais, effectivement, bon, je vais rester comme ça là et on va continuer de courir. Je peux carrément tomber entre les rails, c'est vraiment dangereux là. C'est vraiment chaud. Oula, ok. Ouh, oh, il y a un éléphant. Qu'est-ce qu'il fout là, l'éléphant? Ah bah, il parle. On a un éléphant qui parle, les amis. Alors, je sais pas si c'est moi qui a bu un peu trop de Monster, mais l'éléphant était en train de parler. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, les amis. Oula, alors, attends. Je disais quoi, déjà? Ah oui, non, mais vous inquiétez pas, je rage pas du tout. Non, mais pas du tout, du tout, du tout. Je vois pas de quoi vous parler. Clairement, là, je vois pas de quoi vous parler. Donc, commencez pas, hein. Ok, allez, c'est parti. Oh, on recommence. On est revenu presque à notre point de départ. Ok, donc là, faut juste passer. Ok, faut sauter. C'est quand même très... Ah, c'est très, très, très dangereux. Mais c'est bon, on a réussi. Allez, retournons voir cet éléphant. Je suis tombé. Non mais, ouh, ça va, Henri, ça va. Je suis plutôt assez calme aujourd'hui, finalement. Je me pensais un peu plus pire en jouant à ce genre de jeu. Mais Henri, ça va. Donc ouais. Coucou l'éléphant qui parle. Donc là, je pense que ce qu'on va faire, c'est que... Ah, ouh. Ok, comme ça. Et là, on va pas essayer de tomber. Mais en même temps, c'est compliqué, là. Oh, la vache, c'est super dur. Bon, tu sais quoi, je vais pas courir parce que je pense que à force de tout le temps courir, ça va me faire courir à ma perte. Ah, bah, c'est le cas de le dire. Courir. À... Ouais, t'as capté. Ouais. Bah, ouais, donc... Là, normalement, je peux... Ouais, voilà, tu vois, on peut grimper. Donc ça, c'est... Et on peut même faire des roulades. Ah, ah, mais ça m'énerve. Petit disclaimer, les amis. Partez de cette vidéo si vous voulez pas entendre des gros mots ou autres, parce que ici, voilà, vous allez découvrir une facette de Riri. Oui, une facette très sombre que vous ne connaissez pas. Et bah dans cette vidéo, vous allez la découvrir. Est-ce que ça me fait plaisir que vous allez découvrir cette facette de moi? Bah au moins vous allez me connaître un peu mieux, non? Donc en vrai, c'est peut-être pas plus mal, remarque. C'est des camions, c'est quoi ces trucs là? Ah ouais, c'est des camions, des bennes. Ok. On se met là. Oh mon dieu, je sens le plus pire là. Oh, c'est super compliqué là. Oh là là. Ok, là on peut passer comme ça. Oh, non, je veux pas. Comment je fais? C'est une échelle ça? Ok, c'est une échelle. On n'a jamais été aussi haut là, les avions. On est vraiment très très haut. C'est un truc de ouf. Il y a même des TGV ici, carrément un TGV. Mais il est énorme ce TGV là. Bon là c'est tout en ligne droite. Ils vont mettre des trous. Ils vont mettre des trous. Ils sont super fourbes. Et après je vais tomber comme une grosse merde. Non attends. Oh la vache! Comment j'ai fait ça? Je sais pas du tout. Attention. Ne pas entrer. Bah on a un peu pas le choix de rentrer par là donc. Ok. Est-ce que faut aller là? Bah ici c'est un piège. Oh, mais c'est non mais quand je te dis qu'ils sont fourbes, ils commencent à faire genre des pièges etc. Non mais c'est des malades. Moi, je vais pas aller sur votre piège pourri, là. Faut aller sur le lit. Ok, c'est un trampoline. Oh my god. Non, mais alors là, ça va être super méga dur. J'ai pu me rattraper à temps. Oh non, mais je dois refaire ce truc de merde.
Ça, c'est trop dur ici. Je vous jure, c'est compliqué. J'ai failli tomber. Non, 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 ne tombe pas, ne tombe pas. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Mais monte sur le truc, là. Allez, ah. Mais ça m'énerve. Mais je dois tout recommencer maintenant, c'est une blague. Mais j'en ai marre. Bah ouais, je commence à péter les plombs. J'avais même pas remarqué, mais il y a un lit juste ici. Oh mon dieu. C'est pour rattraper tout le retard. Non, mais je suis trop bête, les amis. Et là, on est directement sur le TGV. C'est incroyable, le raccourci. Il y a des raccourcis un peu partout. Du coup, on va pouvoir revenir là où on était tombé. Oh mon dieu, je suis trop content. Non, mais par contre, ces lits sont super compliqués. Ça, c'est trop dur, je vous assure. C'est super, vraiment compliqué. Vraiment, bah, j'en ai marre, là. On va bientôt repasser sur ces lits de la mort. C'est parti, le moment que je redoutais le plus. Ok, donc comme ça. Et là, après, j'y vais direct. Oui, ok, là, j'y vais pas, j'attends. Après, j'y vais. Je suis vachement super haut. Oh mon dieu, on est sur la pierre. Flèche en bas. Ah ok, faut aller sur ce lit là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur n'importe quoi que mon clavier il soit tout seul. Je crois que j'ai fait bugger le jeu là. J'ai genre tapé sur mon clavier violemment et regardez. Je vais redémarrer. Oh mon dieu. Me voilà de retour dans mes legs, il va carrément casser sa souris, son clavier dans cette vidéo. En fait, cette vidéo va me coûter grave de la thune en fin de compte, parce qu'après, je dois racheter les trucs. Donc, likez cette vidéo. Allez, s'il vous plaît. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je cours en même temps et... Non, oui, si, 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 j'ai réussi, je suis choquée. J'arrive pas à le croire. Bon, attendez, hein, parce que là, tout peut se passer encore. Donc là, c'est sur des tonneaux. Oh mon dieu, non mais c'est quoi ces tonneaux? Oh là là. Oh, c'est super méga dur, faut courir en même temps. Faut aller sur l'avion. Ok, vas-y. Oh mon dieu, comment il a fait ça lui? Faut rentrer à l'intérieur. Non, ok, ok, oh là là, je stresse là. Pour chaque pas que je fais, je suis en panique, je stresse. Concentration ultime. Oh non, mais c'est quoi ça? Mais c'est une blague? Des ballons de basket, mais ils sont tout rikiki. Oh mon dieu, puis cette table qui est en train de pencher. Ah, oups là. Ouais, vous avez vu, on peut faire une roulette. Oh, salut le cochon, il parle. Dead end. Ah oui. Alors en fait, les animaux dans ce jeu, ça parle. C'est tout à fait normal. Les amis, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Je me suis trompé de côté, faut aller de l'autre côté, mais c'est une blague. En plus, je me trompe de côté. Moi aussi, ça se fait pas. Ah, ok, ok, c'est bon, là, on est sur le bon côté. Là, on va réussir, les amis. Ah, oh, là, là, là. C'est bon, c'est bon. C'est des cactus. Oh mon dieu. Ouh. C'est bon là, oh mon dieu, ils font carrément des faux côtés, mais vous vous rendez compte? Ça se fait, ah, wesh, ok, il y a la charrette là, on saute sur la charrette, on va là-dessus, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, un moment de répit. Allez, on prend l'élan et... Ah, il y a un lit, ouf, ah. Mais c'est une plaisanterie. En fait, ce qui est le plus dur dans ce jeu de merde, c'est les lits. Genre vraiment, je sais pas, le matelas, peut-être qu'il est usagé, je sais pas, faudrait peut-être changer le matelas, parce que le trampoline du matelas, il est horrible. Vraiment, c'est ce qui me fait mourir à plus de, je sais pas, genre 60% du temps, c'est les fucking lits. Donc moi, j'en ai marre, vraiment, j'en peux plus, les amis. Vraiment, ce jeu commence vraiment à me saouler, commence à me sortir par les trous de nez. Genre vraiment, j'en ai marre, oula. Oh, ok, ok, là, c'est bon, on est loin, c'est pas le moment de tomber, s'il te plaît. Non, mais tombe pas, commence pas à faire de la merde, Riri. Commence pas à faire de la merde. Ok, donc là, on est sur un chantier de construction. On va aller là-dessus. Voilà, hop. Faut aller où? Là ou là? Ici. Je vais pas me faire avoir par leur piège pourri. Ah, mais non, en fait, là, il y a un lit. Ça peut être un raccourci. Ouais, mais t'es mal, les meubles, ils sont tout petits. Ils sont tout miniatures. Je vais jamais y arriver. Ah non, moi, je cours pas ce risque. Je préfère aller sur les gros trucs. Comme ça, ça sera un peu plus simple quand même. Oh, ok, il fallait sur l'immeuble carrément. Oh, comment je vais faire? Comment je vais faire? Ok, c'est bon, c'est bon. On glisse pas, donc on va pouvoir grimper comme ça. Ok, et là, il y a un lit. Non, pas les lits, les lits. Je les déteste. Ok, c'est bon, c'est bon. On va être sur la planète. Waouh. Tellement que je suis haut, on voit plus le bas pour vous dire. Je suis carrément dans le ciel. Mais par contre, je suis qu'à la moitié du parcours. Même pas à la moitié, je crois. Je vais jamais y arriver. Si vraiment, je vais jamais y arriver. Ne surtout pas perdre espoir. Allez, on fonce. On est sur le vaisseau. Après, il y a les trucs des aliens là. Les soucoupes volantes. Ah, oh. Allez, s'il te plaît, me déçois pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, des coussins. C'est pas des trampolines, j'espère. Ok, c'est pas des trampolines comme les lits. Ouais, mais c'est quand même chaud. Hein. Ok, on peut pas s'agripper dessus. Et là, il y a un lit. Faut aller super haut. Ok, faut aller jusqu'à où avec ce lit? Oh mon dieu, va falloir aller sur le truc du squelette de dinosaure. Là, ça va être super hard. Vas-y, et là, hop, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Oh non, non, vite, rattrape-toi, rattrape. Non. Oh non.
J'ai quand même pu me rattraper, mais je suis revenu en plus dans le mauvais côté ici. Je suis pas tombé tout en bas, donc en vrai, ça va. Cette fois-ci, le morceau de squelette. Eh ben, je vais réussir, vous allez voir, je vais réussir. Ils vont voir. Je vais réussir, je vais pas me laisser faire par leur petit lit de merde. Allez, vas-y, je peux. Là, j'arrive, voilà, c'est... Oh, voilà, c'est ça qu'on veut. Mais par contre, là, je fais comment, là? Oh, comme ça, peut-être? Ouais, oh là là, c'est super méga dur, là, par contre. Plus ça va, plus les trucs ils sont éloignés quoi. Un petit feu de camp, vas-y, hop, sur les bûches de bois. Voilà, et c'est un four ça, on fait comment? Oh, oh là là. Donc soit je passe par là et il y a des lits. Oh non, hors de question de passer par les lits. Je vais passer par là, non mais moi je crois que les amis, j'ai découvert une phobie, les lits. Genre vraiment, je crois que vraiment c'est officiel, je déteste ça. C'est devenu ma hantise, vraiment, j'en peux plus. Je peux vraiment plus me les voir là, ce soir quand je vais voir mon lit. Mais je vais m'épleurer les amis, je vais réimaginer toute la souffrance que j'ai vécue. Vous voyez là, cette souffrance? Et bah jouez au jeu, et vous allez comprendre cette souffrance. Parce que c'est bien beau de regarder cette vidéo et de me voir souffrir. Mais je veux aussi que vous souffrez. Oula, non, c'est vraiment sadique. Mais ouais, hein, ok. Par contre, là, je suis censé faire comment? Comme ça, oh là là! Ce distributeur de cola. Il était pas facile. Là, il y a un banc. Ah non, non, rattrape-moi! Non, mais non! Je me suis fait super mal. Ouais, j'ai littéralement frappé mon clavier avec mon t-shirt. J'ai tellement les nerfs, les amis. Et moi, quand je suis en colère, j'ai chaud et je suis en sueur, vous voyez? Et donc, du coup, j'en peux plus, là, je suis en sueur. C'est pour ça que je n'ai pas de t-shirt et que j'ai frappé mon clavier avec mon t-shirt, ok? C'est tout à fait naturellement la vie de Riri. Hein. Non, vraiment, vous êtes vraiment en train de découvrir une facette de moi que vous n'avez vraiment jamais connue. Vraiment, je suis choquée de moi, là. Si j'arrive pas à ce débile de saut, je vous jure, j'arrête la vidéo. Vraiment, non, j'arrête. Ah, ok, c'est bon. Je vais pas arrêter la vidéo tout de suite. Mais tant mieux quoi, ça me rassure. N'empêche, je suis désolée que vous me voyez comme ça, mais même moi, je découvre une facette de moi que je ne connaissais pas. Le pire, c'est qu'il n'y a rien que je fais exprès, c'est la réalité. Je m'amuse à aller 50 fois en haut pour redescendre à chaque fois, ça sert à quoi de le faire? C'est vraiment le pire jeu au monde, c'est un jeu de merde, c'est vraiment, il est nul ce jeu. Ta gueule, éléphant de merde, on t'a pas sonné. Les amis, je n'ai jamais été allé aussi loin, j'ai réussi à aller sur le banc. Mais le plus dur, ça va être d'aller sur l'arbre, comment je vais faire? Je vais prendre de l'élan, oui, comme ça, ok, après il y a les tables. Vas-y, oh vas-y, là c'est bien ça, une longue échelle. Oh là, faut surtout pas courir, j'allais tomber. Ah non, c'est bon, moi je veux pas tout recommencer, hein. Là c'est bon, là je rage qui peut à vie le jeu, quoi. C'est bon, là j'ai galéré, ça fait au moins 3 heures que je joue au jeu. En plus, quand t'es en colère, tu perds tous tes moyens, t'arrives même plus à jouer. Même des trucs qui peuvent paraître simples, au bout d'un moment, t'y arrives même plus, tellement que tu pètes les plombs. Vraiment, c'est hallucinant. Et vous les amis, je pense que vous allez très bien. Je suis sûr que là derrière l'écran, vous êtes en train de vous taper la meilleure barre de votre life. Ça va, tranquille? Eh bah essayez le jeu, ok? Et après, on en reparlera. Merci d'ailleurs à tous ceux qui vont liker cette vidéo pour me soutenir. Et je tiens à vous remercier infiniment pour les 450 000 abonnés. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des zinzins, moi je vous dis, vous êtes des ouf. Eh mais on arrive bientôt à la fin si on réussit ça. Et après, ouais, je crois que là, c'est la fin, là. On est à un peu plus de la moitié, je suis choquée. Allez, s'il te plaît. Je me suis bien entraînée là. Non mais t'as vu, à force de refaire, ça c'est de la rigolade. On peut le faire, on va y arriver s'il vous plaît. J'espère juste y arriver, ça serait cool quoi. Je peux le faire, oh des bibliothèques. Oh, ça glisse. Non, attends. Ça glisse de ouf, je vous assure, c'est super compliqué. Vas-y, là il y a un livre, ok. Les échecs. Non, les pions, ok, les pions. Là les amis, je suis en train littéralement de jouer ma vie. Oh my god. Oh. C'est super méga dur! Ah! Oh là 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 là! Je suis choquée! Allez, on monte! Oh mon dieu, les amis, mais c'est super intense! Puis je vois pas la fin, j'ai l'impression que je vais jamais arriver à la fin. Non, encore un lit. Ce lit là, tu vas pas me le faire là, c'est bon là, on la fait pas là. Ensuite, oh my god, faut faire quoi là? Je comprends pas, faut aller dans le tuyau peut-être, enfin je sais pas. Ah ouais, c'est un canon! Oh my god, non! Ok, on réessaye les amis, cette fois-ci c'est la bonne, on va y arriver, rattrape-toi. C'était un calvaire les amis. Oh, il y a un igloo, faut sauter dessus. Allez, on peut... Ah!